Capitaine, reprends la main! Levez la toile! Prenons un peu de vent! Attention, c'est un gros grain, capitaine. Donnez-moi de la vitesse! Ce putain nous tend les bras! Par là-bas, capitaine, le village pêcheur de Cresto. Ouais, je cold and jerry boy! Il avait détecté un sac par des bandits. And all of my money it was spent. And where it went, I swear I can't remember. Déployez ces ailes pour prendre le vent! The body they back. Taking you that. Take a turn around the captain even more. About ships, ancient boys, you better. Around the Valparaiso, round the hall. Well, it seems there was a great demand for sea. For the colonies, for Fresco and for France. Attention, well, craint! Serrez un peu! Burst. Yeah.
Welcome. Do come in. Which of my treasures might tempt you today? I'm your most days, should you return. Les Templiers veulent comprendre la nature de ces reliques. Leurs espions ont consulté bien du monde à New York. Ils ont également posé des questions à de nombreuses tribus. Ils ont beau montrer ce manuscrit à tout le monde, nul n'en comprend l'écriture, ni même les images. Mais nous avons un nom. C'est Lawrence Washington qui a envoyé le manuscrit. Lawrence Washington. Homme d'affaires, politicien de Virginie et Templier de haut rang. Ah oui, j'ai appris qu'il était revenu des Caraïbes. On a vu son majordome récupérer un curieux paquet. Ce paquet ne tardera pas à lui être livré. Shay, découvre ce qu'il contient. Remonte jusqu'à Washington. Quand tu l'auras trouvé, renseigne-toi. Je prépare le Morrigan. Si le destin le veut, ce navire nous conduira jusqu'à lui.
Je crée ma propre chance, Liam. Et celle de Washington va bientôt tourner. Red Bank est en vue. Pour la chasse, c'est l'endroit idéal. Attention, c'est un gros grain, capitaine. Il y a une belle cargaison ici, capitaine. Je te tiens. Oui. Là-bas, capitaine, le navire va se disloquer. Voilà. Plus personne ne fait le moindre bruit. Lawrence Washington est homme d'affaires, esclavagiste et éminent templier. Nous avions perdu sa trace il y a un an. On me l'a récemment signalé à la Barbade, mais je n'ai pas eu confirmation. Oh. Maintenant, tu penses qu'il est responsable du vol des reliques, n'est-ce pas? Il en est bien capable. Haïti est toute proche de la Barbade. Et son retour dans les colonies coïncide étrangement avec l'arrivée des reliques. Nous ne pouvons pas laisser les Templiers prendre le contrôle des colonies. Quoi qu'il arrive, Lawrence Washington doit mourir. J'y veillerai en personne. Il y a du butin là-bas. Serrez les poneys. Toute la toile. C'est fermé. Donnez de la toile. Diminuez les voiles. Serrez la grand voile. Targuez les perroquets. Capitaine, un blocus. On ne passera pas. Shay, il faut suivre ce navire à terre. Je m'en occupe. On se dirige droit sur la Trouve une autre voie pour le Morrigan. Oui, capitaine. Piste ce paquet et trouve Washington. Larguez les huniers et les perroquets. Larguez les huniers et les perroquets. Quel bloc. Et n'oublie pas, Shay. Je te l'ai dit, Washington doit mourir. Oui. You
You transferred here from Boston, did you? Yes. I had to get away from that dreadful Thatcher. Mm-hmm. So it's the first game. To... That means the second. By the total, by the Jew. I can't be right. Seven, three. No, we have to divide the total by the Jew. I can't be right. Model at 39 and 7, 8. Need if I can't have broken one. So if the first came to 251 and the due was 22, that means the second. Wait. Have to divide the total by the Jew. That can't be right. Oui. You mopsy. Rhyme under control and not a Frenchman in sight.
My g- Someone, have you? Yes, but I don't want to mention his name. Ever fancied someone, you know you shouldn't. Got your eye on someone, have you? Lose us, you're already dead! Found him! I don't want to know how this story unfolds. Hey! Hold a moment, Squire. How long do you reckon the English and French have been fighting? Since Cressy, I'd wager. That was what, 1346? Long before that, even. I swear to the Almighty that the shots were fired here. You look like you're... Legwork alone.
You want truth? Giving us the slip, the scoundrel. Oui.
quoi dans ce paquet? Tout ce que le capitaine vient vous le dire, c'est qu'il était fragile. Allez! Qu'est-ce que c'est? Un fusil? Oula! Restez! Où vous êtes? C'est prodigieux. Il ne fait aucun bruit. Merci pour ce cadeau, Master Washington. Voilà une bien étrange surprise. Maintenant, on doit trouver Washington et l'interroger. Magnifique réception, n'est-ce pas? Tout à fait. Master Washington, c'est vraiment sympa. Je lui trouve pourtant le teint bien pâle. Et sa vilaine toux ne fait qu'empirer. Tenez, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Je dois d'abord atteindre Washington. Ensuite, je m'occuperai des reliques. On est dans la résidence de l'Europe. C'est le cas de la moitié des convicts. Seems to me there's more clashing between England and France. The Empire lose more.
more land. Mon frère, ne devrais-tu pas déjà être alité ? Je me porte bien, George. Tu vas jouer l'hôte à ma place. Descends à la cave chercher une bonne bouteille pour nos invités. Bien sûr. Messieurs. Mon frère est un phare dans les ténèbres de ce pays. Si j'ai droit à une dernière volonté avant de mourir, alors de grâce, laissez-le, que lui soit épargné les affres de notre cause. Nous respecterons tous votre vœu, sœur. Soyez-en remerciés, messieurs. Master Smith, prêt pour votre voyage ? Fin prêt. Je trouverai ce que nous cherchons. Master Wardrop, comment avancent vos recherches sur le manuscrit ? Bien, sœur. Nous l'aurons bientôt déchiffré. Dans ce cas, vous pouvez vous retirer. C'est à peine si Washington arrive à tenir debout. J'espère que tu ne te trompes pas, Liam, parce que je m'apprête à assassiner un mourant. George est un grand amateur de rhum, n'est-il pas ? Oh, très cher, ne vous faites pas d'illusions. C'est à peine si Washington arrive à tenir debout. J'espère que tu ne te trompes pas, Liam, parce que je m'apprête à assassiner un mourant. Ce n'est rien. N'ayez aucune.
trop tard, assassin. Il n'est jamais trop tard pour ruiner vos plans, Master Washington. Mes plans sont déjà en marche. J'attendais même ta venue. Elle donnera à mes alliés le temps de fuir. Merci de m'accorder une fin rapide. Et merci de m'avoir livré tes véritables desseins, sinistre serpent. Bon sang. Je dois faire vite. Je dois retourner au Morrigan. Liam, j'espère que tu as accosté de l'autre côté. Ils arrivent à l'air. Reste à mortier naval. C'est déloyal. We told you to stop. Faster, lad. We're losing ground. Try to get past me, I'll spill your brains. Got him inside. Hurry up, lads. Run to this. In my sight, clear as day. My dear fellow. Bon sang. Je dois faire vite. Liam, j'espère que tu as accosté de l'autre côté. Dégagez le passage. Reste à mortier naval. C'est déloyal. Lawrence Washington est mort. Tu as l'air déçu. Cet homme était si malade qu'il n'aurait pas survécu plus d'un mois. Et deux autres Templiers ont pu s'enfuir. Ils cherchent le manuscrit et la boîte. Avait-il les reliques ? Je l'ignore. Peut-être. Comment savoir ?
Alors tu as respecté les consignes de la confrérie. Nous trouverons les objets plus tard. Sois fier, Shay. Il est rare de pouvoir semer pareil chaos chez les Templiers. Peut-être. Mais d'après ce que m'a dit Washington, sa mort ne va pas vraiment les prendre de court. Ça, c'est ce qu'il a voulu te faire croire. La mémoire a l'air fragmentée. Il s'est écoulé combien de temps ? Quelques mois. Le virus nous empêche d'accéder aux mémoires dans leur intégralité. Elles sont désordonnées, mais lisibles. La guerre de 7 ans va bientôt éclater dans les colonies. Concentrez-vous sur les actions des assassins. On va faire de notre mieux. Pas vrai, le cobaye ? Déferlez ! Donnez de la peur ! Le domaine est un sinistre sans Miss Abigail et le petit Connor. Oui. J'ai vu Achille qui pleurait. C'est normal, non ? Normal ? Il n'a pas l'air triste. Il a l'air furieux. Très inquiétant. Il doit faire son deuil. Comme nous. Je sais. Mais ça fait des mois maintenant. Et nous n'avons pas d'indice qui nous permettrait de mettre la main sur ces maudites reliques. Le chasseur a une piste. Le chevalier, lui, nous apprend ça. Le chevalier aussi ? Décidément, les mauvaises nouvelles se suivent. Que voulait dire Achille en affirmant que le détenteur des reliques pouvait accéder au pouvoir des précurseurs ? Je ne suis pas sûr de l'avoir compris. J'en ai beaucoup parlé avec Adewale. Il est convaincu qu'on peut activer la boîte pour projeter des mots ou des images. Comme une lanterne magique. Que veux-tu dire ? Tu sais, la lanterne magique que Père Connolly avait installée dans la crypte de l'église, il y avait une bougie dedans. Et il plaçait de petites plaques de verre devant. Elles projetaient des images sur le mur, comme les cathédrales de Rome. Mais elles semblaient plus vraies que nature. Ah, et... C'est le même principe, mais elle interprète aussi l'étrange langage du manuscrit. Une plaque avec du latin, nous la verrions dans notre langue. Comment est-ce possible ? Je l'ignore. J'ai bien peur que nous ne comprenions jamais le fonctionnement des fragments d'Éden. Où les trouve-t-on, les plus belles filles du monde ? Tout dépend de ta conception de la beauté. Une fille de Corfou n'a rien en commun avec une fille d'Oslo, mais les deux peuvent avoir le même charme. Tu vois, c'est en parlant ainsi qu'un homme passe pour un sage. Merci. Moi, j'aurais dit la Havane. Les filles de là-bas ont la croupe et le giron généreux, et elles les affichent toujours sans pudeur. Mais jamais je ne dénigrerai les filles de chez nous. C'est possible. Ce doit être à Galway qu'on les trouve. Belle et modeste, toujours prête à te prêter un penny pour une pinte. Si tu le dis. Sans oublier celle de Lisbonne. Promise au couvent, elle n'en avait pas moins les yeux noirs et une douce nature. Si seulement j'avais parlé portugais, quoique nous ne passions pas de nuit à discuter. C'est par de tels propos qu'un homme se forge une toute autre réputation. Nous sommes presque arrivés, Capitaine. Le chasseur doit nous attendre. Et le chevalier ? Un bien piètre prix pour retrouver la boîte des précurseurs.
lampe.